Johannesburg is a really complex city. It's a city of 4.2 million people in a city region of nearly 13 million people. Apartheid has left us with a complex and difficult legacy. We are a city with deep divides, class and race divides. We are a city of relatively low densities, which makes the city quite inefficient in many ways. À Johannesburg, la mission de l'AFD est de faciliter la transformation post-apartheid de cette ville extraordinaire. Pour cela, toutes les sciences sociales sont conviées, l'urbanisme, d'où la collaboration entre l'université de Wits d'une part et l'Institut français d'Afrique du Sud d'autre part. L'AFD envisage en effet d'investir, elle a beaucoup investi, elle envisage d'investir dans cette ville et investir sans recherche serait investir les yeux fermés. L'Institut français d'Afrique du Sud est né, est aussi jeune que la démocratie sud-africaine, 20 ans à peine. Il est né de la conviction que les humanités, les sciences humaines, les sciences sociales avaient toute leur importance, tout leur rôle à jouer pour construire une nouvelle société sud-africaine. Our collaboration with the French Development Agency and IFAS focuses mainly on the one theme, which is urban form and fabric. And in that research theme, through our collaboration, we're looking mainly at how the city's changed, focusing specifically on densification in the city. Oui, moi je me situe dans cette étude à une échelle un peu intermédiaire entre l'université de Wits qui travaille sur l'échelle sociale plus et l'Institut des morphologies urbaines qui est à une plus grande échelle, plus quantitative. Donc moi mon rôle est plus intermédiaire par un travail de carte à l'échelle de la ville de Johannesburg. The complexities of the challenges facing Johannesburg are such that no one group of people could possibly find the answers or even come up with intelligent proposals. And we need partnerships, international partners, who can bring new perspectives from other places. And so it is a combination really of the city administration, of the university, of our international partner, in this case our French partners, that can really help us think in creative ways, in new ways, about shaping our city future.